C'est l'homme qui a vu l'homme, 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 qui a vu l'homme. Salut, c'est Amix M. Mamadou, ça va? Oui, bonjour. Ça va? Oui, ça va super. Vous avez vu, j'ai fait très bien. Ou pas. Il nous manque un larron. Attendez, je vais l'appeler sur son mobile. Tout, 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 tout. Donc voilà la boutique. Et là, et là, et là, attention. Oh! Oh! 2,50€ pour 100 000 dollars? Mais Rockstar, qu'est-ce qui se passe? Tout. Mais vous avez craqué, Rockstar! 15€ pour 1 million 2, ma gueule! Tout. Mais c'est Nawak! 40€ pour 3 millions 5! Mais y'a des gens qui achètent ça! Tout. Et à un moment, faut décrocher, enculé de buzard! Moi, quand ils sont morts, j'aime bien les cribler de balles une deuxième fois au cas où. On est là pour Discovery! Discovery sur Alien Isolation. Oh, un pistolet qui plane! C'est buggé. Allô? Oh! La boîte noire! Ah, c'est la boîte noire! Bah voilà, fin du jeu! Ah, c'était bien! Hello! Il est trop mignon! Oh, hello! Enfin, on a vraiment bien vu l'alien, quoi, on a vu sa queue. Mange! Fils de... Ah, il y en a plein! Je suis un ouf! Pourquoi? Pourquoi fallait que tu viennes genre là maintenant? Ouah, avec un petit fou. What the fuck? Eh bien, vous allez devoir affronter votre premier boss de la zone. Oh mon dieu. Quand vous jouez au maximum à ce jeu, c'est un clusterfuck infini. C'est-à-dire que vous ne comprenez absolument rien du tout à ce qui se passe. Il y a trop d'effets, voilà, c'est trop joli. Il y a trop d'explosions, etc. Et on combat The Lizard, et oui, le docteur Connor, que vous avez eu le plaisir, évidemment, de connaître. Dans Spider-Man, Amazing Spider-Man, hein, c'est un film de qualité. Donc il suffit d'arrêter sa machine infernale. Et voilà, fin du one-shot. Et dans dernière partie de Megalimonde où je vais faire des combats contre deux d'entre vous qui se sont proposés en cours de live. N'hésitez pas cependant à envoyer vos codes amis et... Pourquoi il a disparu? Où est mon adversaire? Oh, ce switch! Mais il n'est pas autorisé ce switch, il est interdit dans le dictionnaire. L'erreur est humaine bien entendu et dans Megalimonde on accepte aussi les humains. Oh yeah! Oh! Amazing! Intimidating creature! Comment ça s'appelle ce qu'il y a en anglais? Oh, c'est pas grave, merde, je vais arrêter de faire semblant, je suis pas encore un commentateur hors pair du BGC à l'américaine. Hein. Je tiens, oui, je tiens, tranquille, bam, biche, bam! Aujourd'hui, on va jouer encore à un jeu méconnu, encore un jeu PSP, qui s'appelle Patchwork Heroes, mais vous le lisez sur l'écran parce que vous êtes des gens sensés. On n'est pas dans Console Mania, on met pas en facile, n'est-ce pas Monsieur Sapin? On est ces petits bonhommes qui sont en train d'escalader, un peu comme dans Tintin au Tibet, mais en beaucoup plus souple. Et on voit le vaisseau qui s'écrase dans le fond. Donc là, il y a le jeu qui se fout de ma gueule parce qu'il me dit « T'as pas suivi le didacticiel, on t'a pas appris à travers les autres trucs ?» T'es un connard. J'ai pas envie de dire que c'est prévu, mais j'ai envie de dire que ça coule de source, même si c'est encore une fois du Pepsi. Sur ce, bah, bonne soirée à tous, et à la semaine prochaine. J'espère que vous êtes bien amusés devant ce petit stream. On se quitte en musique, mais pas celle de Chacal. Voilà. Au revoir. Et lui, il va gagner du niveau. Bon, on est dans une phase comme ça, donc... Salut les mecs. Vous voulez voir que choisir entre deux ouvriers super musclés? Aujourd'hui, paradoxe grillot, que dis-je, révore le peu de richesse du monde et hypothèque son lendemain à cause de ce profiteur, la guerre généralisée pour le contrôle du réseau. Mais c'est Nicolas Hulot! Puis donc deviendra-t-il le Ken Bogard? Je deviendrai le Fildron de Pokémon. Je suis moi-même. Et franchement, on est dans le caca. On est bien d'accord, on est dans le caca.